Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous remercions le Seigneur. Il nous a tirés de cette angoisse. La semaine passée, nous étions dans l'angoisse, puisque nous étions dans le temps, dans le moment de la passion du Christ. Aujourd'hui, on célèbre la Pâque. Et c'est pourquoi nous devons remercier le Seigneur qui nous a tirés d'Égypte et qui nous a mis dans la terre promise. Nous sommes les enfants de la nouvelle alliance, les enfants du Nouveau Testament, les enfants plus proches de Dieu grâce au sang versé sur la croix. Remercions-lui à l'aide du psaume 119. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un très long psaume, mais aussi très riche. Nous allons méditer sur quelques passages et on va continuer jusqu'à ce qu'on termine ce psaume. L'essentiel pour nous, ce n'est pas de terminer le psaume. L'essentiel, c'est de prier avec ce psaume, méditer avec ce psaume. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus nous bénisse. Je suis Marie-Louise Omumalalongo. Heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui se forment à ses exigences, ceux qui se conforment à ses exigences et de tout cœur ils le recherchent. Ils n'ont pas commis de crimes, ils ont suivi ses chemins. C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin. Que ma conduite s'affermisse pour garder tes décrets. Alors je ne serai pas déçu en contemplant tous tes commandements. Je te célébrerai d'un cœur droit
en étudiant tes justes décisions. Tes décrets, je les garde, ne m'abandonne pas complètement. Comment un jeune homme aurait-il une conduite pure? Si tu en prenais garde selon ta parole. De tout mon cœur, je t'ai cherché. Ne me laissez pas errer loin de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes ordres afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur, enseigne-moi tes décrets. Mes lèvres ont récité toutes les décisions de ta bouche. À suivre tes exigences, j'ai trouvé la joie comme au comble de la fortune. Tes préceptes, je les méditais. Je les méditerai et je contemplerai tes voies. Je me délecte de tes décrets. Je n'oublie pas ta parole. Seigneur mon Dieu, agis en faveur de ton serviteur. Je vivrai et je garderai ta parole. Dessine mes yeux et je verrai les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. J'aime avec passion tes décisions de chaque instant. Qui a menacé ces maudits orgueilleux qui s'égarent loin de tes commandements. Débarrasse-moi de l'insulte et du mépris, car je me suis conformé à tes exigences. Même si des princes siègent pour discuter contre moi, ton serviteur médite tes décrets. Tes exigences elles-mêmes font mes délices et sont mes conseillers. Me voici, Seigneur, collé à la poussière. Selon ta parole, fais-moi revivre. Je t'ai décrit mes chemins et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes décrets. Fais-moi discerner le chemin de tes préceptes et je méditerai tes merveilles. Le chagrin a fait couler mes larmes.
Relève-moi selon ta parole. Écarte de moi le chemin du mensonge et fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi le chemin de loyauté. Je me suis aligné sur tes décisions. À tes exigences, je me suis astreint. Seigneur, fais que je ne sois pas déçu. Je cours sur le chemin de tes commandements, car tu m'ouvres l'esprit. Seigneur, indique-moi le chemin de tes décrets et ma récompense sera de les observer. Rends-moi intelligent, j'observerai ta loi et je la garderai de tout cœur. Conduis-moi sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. Incline mon cœur vers tes exigences et non vers le profit. Détourne mes yeux de l'illusion. Fais-moi revivre dans tes chemins. Pour ton serviteur, réalise tes ordres et l'on te craindrait. Détourne l'insulte que je redoute. Car tes décisions sont bonnes. Oui, j'aime tes préceptes. Par ta justice, fais-moi revivre. Amen. Alléluia. Seigneur, agis en faveur de ton serviteur. Je vivrai et je garderai ta parole. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions de tout ce que tu as fait pour nous, nos vies, nos soupirs, nos joies, nos malheurs aussi. Nous te donnons tout ce que nous avons, Seigneur. Reçois tout ce que tu nous as donné. Nous te les donnons, les redonnons en reconnaissant ce que tu as fait pour nous. C'est en guise de reconnaissance que nous faisons tout ça. Nous t'implorons, nous implorons ta bonté. Et nous te remercions de tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour le jour d'aujourd'hui, pour le jour de demain et pour le jour d'hier. Nous sommes dans ta main et que ta volonté soit faite. Seigneur Jésus, merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Merci Seigneur. Merci encore une fois. Merci
mille fois merci, millions de fois merci, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.